Je crois que le premier souvenir de cinéma que j'ai dans un cinéma, c'est ma mère qui me raconte, quand j'étais toute petite, j'avais peut-être 4 ans, un film qu'elle a vu, elle, quand elle était une jeune fille à Paris et qui lui avait fait très peur et qui s'appelle The Staircase. Et elle me racontait l'histoire avec une telle intensité que j'ai eu une peur horrible. Et aussi, j'ai compris que ma mère adorait le cinéma et c'était une marque très forte. À l'époque, j'habitais au Cameroun, en Afrique, dans un endroit où il n'y avait rien. Pas de cinéma, pas de vidéo, rien du tout. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un cinéma. Je crois que c'est mon grand-père qui m'a emmenée voir Guerre et Paix. C'était à Paris, au sud de Paris. Mon grand-père habitait la banlieue. Et je pense que c'était peut-être pas vraiment un film pour une petite fille. Il préférait m'emmener voir des films comme ça que des films de Walt Disney, qu'il trouvait très cruels. Je pensais profondément que j'étais absolument bonne à rien, nulle, absolument nulle. Seulement j'aimais le cinéma et la lecture. Et donc, je voulais passer ma vie à aller au cinéma et à lire. Et alors, des amis m'ont poussé à rentrer, m'ont forcé un peu à passer un concours pour aller dans une école de cinéma. Et comme j'étais mariée, très jeune, mes parents ne pouvaient pas dire non. Et même quand j'étais dans cette école de cinéma, je pensais que non, ça, c'est trop difficile de parler devant les autres, d'exprimer quelque chose d'intime. Je crois, j'ai des amis qui me disent que je suis toujours quelqu'un d'un peu caché. C'est le tout premier petit texte que j'avais écrit, qui s'appelait « Nous ne sommes plus innocents ». Et c'est vraiment le sentiment très fort que j'avais eu et que j'ai... Bon, plus l'histoire du cinéma se déroule, plus le temps passe, plus on s'éloigne de l'innocence. Mais là, on va être obligé de reciter bientôt la fameuse phrase de Kleist. Pour retrouver l'innocence, il faut faire justement le grand détour par le savoir et la seule chance. J'ai admiré et... J'étais la groupie de Jacques Rivette. Et je crois qu'il m'a donné un peu de courage de m'exprimer. Et il m'a dit, mais toi, tu vas faire des films. Mais moi, je n'y croyais pas tellement. Mais je pense que Jacques Rivette, c'est comme un homme petit et fragile, mais d'une puissance extraordinaire, comme un magicien, comme un chaman. Il donne aux gens à qui il travaille le pouvoir de croire au cinéma, vraiment. And then suddenly everything changed. He stopped drinking, got a steady job. He was convinced that she loved him now because she was carrying his child. And he was going to dedicate himself to making a home for her. But a funny thing started to happen. He didn't even notice it at first. She started to change. Je travaillais avec Wim Wenders par plaisir. Je crois que humainement, j'ai été complètement heureuse de travailler avec lui parce qu'il avait une manière si organique de faire du cinéma, pas du tout classique. Jacques Rivette aussi, du reste. Hein. De nouveau, le soir tombe dans ma tête. La peur. Peur de la mort. Pourquoi pas la mort?
L'essentiel parfois, n'être rien que beau. Wim Wenders, il a une manière d'être très positive. Quand tout va mal dans un film, et c'est presque tous les jours, Wim, c'est comme un mécanicien dans un garage. Il va toujours trouver la pièce du moteur qu'on peut changer et qui va faire qu'on va pouvoir repartir. Je crois que ça m'a donné aussi, avec Wim, une façon de comprendre que quand on fait des films, on doit aussi être un peu son propre producteur, comprendre l'argent du film. Et c'est pas du tout simple. Mais il faut écrire des scénarios et penser aussi à l'argent. Mon loco. Le front. Bombo. Bombo, les yeux. Miso. Miso. Le nez. Pemba. Pemba, la bouche. Mudumbu. J'avais pas de courage, c'était trop tard. J'avais écrit le scénario, j'avais trouvé l'argent. Et tout d'un coup, j'ai compris que faire des films, c'est aussi être caché. Ce qui correspond le mieux à mon goût du cinéma, parce que j'aime beaucoup de films, c'est les musiciens et la musique, parce que j'ai l'impression que on peut se comprendre. Je pense que si je peux dire une chose du cinéma, c'est une chose très petite, c'est que souvent un film, il va venir, il naît d'un mot dans un livre ou d'un moment dans la journée où on écoute une musique. Quelque chose de si petit, comme qu'on pourrait oublier tout de suite. Curieusement, cette toute petite chose, comme un microbe, reste dans le sang et devient une chose obsessionnelle, même si elle ne grossit pas tout de suite, mais ça commence toujours comme ça. Si bonne. En tu bocca la miel pulso su dulso. Et le cinéma pour moi, si on me donne un scénario déjà écrit, je ne peux pas faire le film. J'ai besoin de cet état de minuscule petite chose qui va grandir. Sinon, je ne peux pas faire de film. Tu ne peux pas partir comme ça, Maurice. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut une semaine pour finir. Tu l'as vu, le café, t'es d'accord? Il faut une semaine au maximum. Une petite semaine. Ah, tout d'un coup, c'est plus possible de rester ici, quelques jours? Ça devient trop dangereux? C'est peut-être moins dangereux, tu sais, en fait. Maurice, on n'est pas obligé de se laisser terroriser, on peut se défendre. La personne qui m'a apporté le plus de contamination, de microbes, je crois que c'est William Faulkner. Dans les livres de Faulkner, c'est un très grand écrivain. Bon, c'est pas pour parler de ça, mais il y a quelque chose
de inévitable. Et pour moi, ça, c'est tout.